Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui mini tuto puisque on va apprendre à utiliser l'outil pièce basé sur le contenu. Donc qu'est-ce que l'outil pièce basée sur le contenu bah, C'est un outil hein, qui, comme son nom l'indique, est basé sur le contenu et qui permet de corriger des parties indésirables d'une image. Donc comment ça marche ben, Tout simplement en sélectionnant une région. Donc, par exemple, ici, on aurait bien envie de déplacer cette jeune fille un petit peu plus vers la gauche. Donc du coup, on fait une sélection d'une région de, de l'image, et puis Photoshop va définir automatiquement un motif de remplissage aléatoire. Pour sélectionner euh, bah, l'outil pièce basé sur le contenu on va venir dans la barre d'outils tout simplement va venir le sélectionner donc on maintient le clic enfoncé sur cette euh, sur l'icône normalement vous êtes sur l'outil correcteur je pense on maintient le clic et puis on vient sélectionner l'outil déplacement basé sur le contenu on va faire euh, donc déjà faut savoir que il euh, ya deux options avec cet outil c'est à dire que on peut au niveau du mode bah, spécifier à Photoshop soit euh, de déplacer notre sélection donc ce qu'on va faire ici hein, c'est déplacer la jeune fille un petit peu plus vers la gauche ou sinon de l'étendre donc euh, l'étendre ça va pas forcément être utile dans ce tuto ce sera euh, plutôt utile par exemple avec cette image si on veut venir étendre vous voyez euh, cette petite barrière qui s'arrête ici si on veut venir l'étendre un peu plus ici vers la droite donc ici on va venir sélectionner le mode déplacé et à côté vous voyez qu'il y a une petite option donc adaptation et si on clique dessus on peut venir jouer sur la structure et puis sur la couleur donc la structure en fait euh, bah ça va euh, faut savoir que les, euh, les valeurs sont comprises entre 1 et 5 et ça va définir en fait le degré de similitude entre euh, la sélection que l'on va faire et puis le motif d'arrière-plan d'accord donc si on rentre la Valeur maximale, donc la valeur 5, et eh bien on va dire que la sélection va adhérer beaucoup plus fortement au motif d'arrière-plan, euh, donc ici au ciel et puis au sol. Et euh, au contraire, hein, si on met la valeur 1, donc la valeur minimale, euh, bah, du coup euh, la, la sélection va adhérer beaucoup moins euh, à l'arrière-plan. En dessous, vous pouvez voir aussi bah, l'option couleur. Donc l'option couleur, hein, pareil, c'est euh, on peut rentrer des valeurs comprises entre 0 et 10 pour définir en fait dans quelle mesure on veut que Photoshop applique la fusion des couleurs à, euh, à la sélection. Donc si on entre la valeur 0, bah, la fusion des couleurs sera bah, désactivée et euh, si on, au contraire, si on rentre une valeur chromatique beaucoup plus importante, eh bien euh, Photoshop appliquera la fusion maximale euh, des couleurs. Donc après c'est vraiment en fonction de votre image, ici on peut se laisser entre A5 euh, et A10. Il faudra faire des petits tests et pour que tout le monde comprenne on va venir créer un nouveau calque. Donc soit on appuie sur commande et j ou contrôle et j et on va venir ici faire une sélection. Donc si on veut hein, on peut venir zoomer un petit peu plus dans notre document, comme ceci, et ben, on va faire une sélection à main levée de la jeune fille. Donc ça sert à rien de faire une sélection euh, trop, euh, trop grossière. Ici on essaye de euh, laisser on va dire un petit centimètre si on peut hein, entre l'arrière-plan et la jeune fille. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient déplacer, donc on vient se mettre sur le calque 2 et on vient déplacer donc, la jeune fille donc, vers le vers le monsieur donc attention aussi regardez bien au niveau des pieds on essaye que euh, bah de, euh, de comment de bien positionner les pieds par rapport au sol hein, pour que la perspective pas, pas la perspective mais la ligne on va dire euh, soit soit c'est assez, euh, assez propre parce que là vous voyez hein, si on la met un peu trop bas euh, ça va pas le faire donc là on essaye de la mettre à peu près comme ceci et puis on relâche donc Photoshop bah, va travailler un petit peu et là, bah, on peut voir que c'est quand même assez parfait. Hein. Donc pour désélectionner, on peut appuyer sur les touches Commande D » ou et « D ». Et là, si on masque le calque 1, donc qui correspond à l'image de la photo, on peut voir que dans la partie gauche en fait, du calque 2 que l'on vient de créer, Photoshop a bien déplacé notre image vers la gauche et a remplacé en fait, notre sélection tout simplement par la texture d'arrière-plan de notre image. Donc euh, c'est une technique qui est vraiment euh, à connaître, puisque bah, ça nous évite de, euh, bah, maintenant de détourer <laughs> les images avec, euh, avec la plume, enfin un objet ou une personne sur une image avec la plume, là c'est vraiment quelque chose qui marche parfaitement. Alors là, dans, dans le cas contraire, si on veut euh, non pas déplacer mais étendre euh, une sélection, on va venir se baser donc, sur cette image pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étendre le, le grillage. Donc là, on va venir cliquer non pas sur déplacer mais sur étendre. Donc pareil au niveau de l'adaptation, hein, on peut venir soit baisser la structure ou euh, la couleur en fonction de... Euh, bah après, c'est en fonction de, de, de notre image aussi. Et euh, là on va, on va laisser les mêmes valeurs, on va voir. ça se trouve on aura peut-être besoin de, de les modifier. Donc comme tout à l'heure, on peut créer un nouveau calque et puis euh, là on va partir notre on va faire partir notre sélection à partir de, de ce poteau puisqu'ici il y a un arbre, je n'ai pas forcément envie de le, de le sélectionner pour, pour étendre ma, ma sélection. Donc du coup pareil, hein, on essaye de faire une sélection à peu près de 0,5. Voilà, 1 cm05, cm, comme tout à l'heure, ça, ça me paraît pas mal. Et là, on va venir, ben, comme tout à l'heure, hein, le déplacer comme ceci. Donc là, c'est pas mal, mais euh, c'est vrai qu'on a peut-être été un petit peu fort, voyez, au niveau des, des couleurs. C'est euh, un peu plus exposé par rapport au poteau qu'on qu qu vient de, de sélectionner. Mais c'est pas mal. Donc euh, je, vais, je vais annuler, je vais refaire ma sélection, mais je vais baisser un petit peu l'adaptation. Je vais la mettre, euh, on, va, on va voir, je vais la mettre à 6. Et puis je vais venir, encore une fois, détourer assez grossièrement. Hein. Voilà, donc on n'hésite pas à laisser un peu de marge pour que Photoshop récupère de la matière. Et on vient déplacer. Voilà, donc vous voyez déjà au niveau des couleurs c'est euh, un peu mieux, mais on aurait peut-être pu euh, mettre une valeur un peu plus grande. Donc on aurait peut-être pu euh, le, mettre, euh, le mettre à 8. Donc je vais recréer un nouveau calque hein, et je refais ma sélection. Donc vous voyez c'est vraiment en fonction de votre image. Voilà, je, je la mets un peu plus sur le côté ouais donc c'est pas c'est pas trop mal donc voilà faudra pas faut pas hésiter à jongler entre la structure et puis euh, entre, euh, entre la couleur là je peux peut-être me mettre à 4 ici à 7 et je vais refaire la même chose un nouveau calque je vais venir redétourer et puis on verra bien ce que ça va donner voilà je viens déplacer ça ici. Et là on n'est pas bah, on n'est pas trop mal. Hein. Là c'est euh, je pense que les valeurs sont bonnes. Euh, les valeurs de 4 et de 7, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Donc voilà comment euh, étendre une sélection. Alors bien sûr, peut-être qu'il y aura des certaines retouches à faire, mais euh, là c'est euh, vraiment quand même assez bluffant ce qu'on arrive à faire maintenant. Ça ça nous évite d'utiliser eh ben, l'outil tampon ou euh, encore l'outil pièce. Là c'est vraiment c'est vraiment une technique à connaître. Donc, voilà pour ce mini tuto. J'espère que vous l'avez apprécié. Hein. Donc euh, voilà comment euh, Comment soit étendre une sélection ou la déplacer très facilement. Si vous avez des questions, faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail à damien.tmail.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir et vous serez tenu informé des nouveautés et des nouveaux tutos. Venez aussi nous rejoindre sur Facebook, hein. on commence à être bien nombreux et puis bah, tous les jours on essaye de poster des ressources ou des petits tutos gratuits aussi. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur... Sur Twitter je vous dis à très vite pour un prochain tuto à bientôt